Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose dans ma boîte aux lettres. Donc, on va pas dire que c'est un haul puisque je n'ai qu'un je n'ai qu'un seul article. Donc, ça vient de chez AliExpress. Donc, voilà. Je vous en avais déjà parlé, donc vous devez savoir ce que c'est. Bon, de toute façon, vous avez dû voir un peu dans le titre. Donc, on va déballer et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Alors, pour le déballage, je vais vous mettre face bureau, ce sera beaucoup mieux. À tout de suite. Alors, voilà. Donc, on va déballer. Donc, vous avez déjà deviné à travers le plastique. Alors, vous voyez, c'est super bien emballé. Ah, je vais prendre un petit ciseau. Donc, niveau emballage, il n'y a pas de problème. Bon, ça n'a pas mis beaucoup de temps hein, pour arriver. Et pas radin dans le papier bulle. Hein. Voilà. Bon, ça va. De toute façon, papier bulle, je le garde toujours. Ça sert. Bon. Je vais couper. Voilà. Ouais. J'ai un petit cadeau. Voilà, je vais vous montrer. J'ai la petite carte de la boutique. Alors, c'est le vendeur, c'est Anstal. Voilà. Donc, de chez AliExpress. Donc, voilà sa carte. Bon, c'est écrit en anglais, hein, donc... Voilà, donc c'est Anstal. Je vous mettrai le lien de la boutique et le lien pour trouver cet article. Alors, d'abord, je vais vous montrer tout de suite le petit cadeau. Alors, le petit cadeau, c'est une rallonge de crayon. Voilà. Quand vos crayons commencent à être trop petits pour les tailler, vous mettez votre crayon. Et même pour le tenir, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça tombe bien, justement, je voulais m'en commander. Voilà, j'en ai. Et ça, il y a le petit anneau pour le resserrer. Donc voilà, c'est super. Un cadeau utile. Alors, comment la boîte s'ouvre ? Donc, comme vous avez vu, c'est les macarons de Brut Funer. Donc, ce sont les pastels. Regardez, il y a peut-être... Ah oui, il y a un petit scotch. Alors là, pour l'instant, je ne pourrais pas les ranger en trousse, puisque je n'ai pas de trousse pour l'instant pour les ranger. Mais bon, c'est pas... Ah, oh, bah alors... Non, ils veulent pas sortir. C'est pas très grave. Les voici. Ah. Hop, on va mettre la boîte là. Donc, on a deux racks. Donc, j'espère que vous les voyez bien. Alors, j'essaye. Voilà. Je pense que là, vous les voyez mieux. Alors, le prix, c'est dans les 17 euros. Et j'avais une petite réduction en plus. Donc, moi, je les ai payés dans les 16 euros et quelque chose. Donc ça, ce sont les pastels. Je vais vous montrer comment ils sont.
Voilà, donc ils sont ronds. Ils sont ronds, voilà, je vais y arriver. Vous avez ici la référence. Alors, j'espère que vous voyez bien. La référence du crayon, B par exemple, B1127. La couleur, alors là c'est Grimm, voilà. De l'autre côté, ben, Brutfühner Colored Pencil et Brutfühner encore. Et le petit anneau doré. Alors, je vous dis tout ça, pourquoi? Bon, là, moi, je ne les ai pas. Je voulais me les acheter un jour, peut-être. Mais ce sera pas maintenant. On verra ça vraiment. C'est la copie conforme. Je dis bien conforme, aussi bien dans les pigments que dans la forme du crayon, que dans la présentation du crayon. C'est la copie conforme des Holben, des crayons japonais. C'est exactement les mêmes. Voilà. Sauf le prix. Le prix n'est pas du tout le même. Les Holben coûtent dans les 150 euros pour les 50, voilà. Alors qu'ici, bon, c'est 17 euros pour 50. Mais c'est la copie conforme, exactement les mêmes, voilà. Il y a qui c'est qui a fait le... Il y a quelqu'un qui a fait la vidéo. Alors, je vais essayer de vous retrouver la vidéo d'une youtubeuse qui fait du coloriage, qui a, elle, les Holben, et qui a pris et a acheté cela, et qui a fait la comparaison, les deux, avec le nuancier. Et donc, vous pourrez voir. Je vais essayer. Bon, je ne suis pas sûre... Enfin, quand même, je vais regarder pour retrouver sa vidéo. Si je vous la retrouve, je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez voir. Et elle-même, elle le dit, c'est la copie conforme des Holben. Voilà. Donc, des crayons japonais qui coûtent une petite fortune. Donc, voilà. Alors, ici, allez, alors tu veux plus rentrer? Attends, c'est peut-être parce que tu n'es pas à plat. Voilà, c'est parce que tu n'étais pas à plat. Donc, pardon. Ici, on va faire le nuancier ensemble. Alors, d'habitude, je fais le nuancier par rapport au numéro. Ici, je vais faire le nuancier. Comme ils viennent pour l'instant, et quand j'aurai la trousse, je referai un nuancier avec les numéros. Voilà, c'est ce que je ferai. Là, ce que je vais faire dans mon nuancier. Hop, vous voyez, c'est celui-ci, hein. Alors, ça c'est les 520 Brutfühner, j'ai toujours pas fini, hein, faut que je termine. Alors, le dernier que j'ai fait, vous vous rappelez, voilà, c'est justement les Brutfühner par 80, et j'avais fait par numéro, voilà. En ayant, comme vous savez, j'ai eu une deuxième boîte gratuite pour le crayon qui me manquait. D'ailleurs, il faudra que je le note ici, que je fais ma petite couleur là. Je vais garder deux pages vierges sur mon nuancier. Comme ça, je vais refaire le Brutfühner 80 par couleur au lieu de le faire par numéro. Pas chercher à comprendre. Comme ça, je l'aurai en double, mais je l'aurai aussi par dégradé de couleur. Voilà. Donc, je vais me garder deux pages pour me faire le 80, le Brutfühner 80. Et là, maintenant, je vais me faire le Brutfühner 50, les couleurs pastel. Voilà.
Donc comme ça, on va voir ce que cela donne. Donc déjà, ils sont super jolis, hein, vous voyez. Ils sont vraiment très très beaux. Donc c'est pas encore la même chose que les bruts de fenêtre que l'on a dans les 520 ou les autres. C'est encore autre chose. Voilà. Voyez. Là, on a des jolies couleurs qu'on pourrait servir aussi pour faire des couleurs peau. Vous voyez. Donc non, ils sont vraiment très très beaux. Allez, je me prépare pour faire le nuancier et on se retrouve tout de suite. Alors, on y va. Donc j'ai marqué brut fenêtre macaron, 50 pastels. Et on attaque. Donc j'espère que la télé ne vous gêne pas. Bon, déjà les pigments sont top. Alors celui-là, c'est. Alors j'ai d'abord marqué au crayon gris, comme ça si je me trompe. 11-27. Voilà. Donc celui-là, c'est le B1240. Ils sont vraiment très jolis. Hein. Pardon. Le B1131. Alors ici c'est le B10-28. Bon, je crois que je vais rebaisser un peu la télé. Je sais plus où j'ai mis ma télécommande. Je regarde Tattoo Cover. J'aime bien cette émission là. Les gens qui ont des tatouages ratés, qui viennent se faire un tatouage au-dessus. Mais alors là, c'est des tatous, waouh. Ça y est, la date de mon opération, là, ça avance, c'est bientôt, c'est dans, là, aujourd'hui, on est le 17, le jour où je filme la vidéo, donc dans 6 jours, c'est mon opération, donc je n'avais pas quoi me prendre, si je prenais tricot, bon, broderie, je ne pouvais pas, hein, puisqu'il me faut ma loupe, en fin de compte, je vais me prendre un coloriage avec moi. Ce sera plus simple.
Donc, par contre, je vais réfléchir à quel coloriage je vais prendre et quelle trousse de crayon. Donc, je ne sais pas. Si vous avez des idées, dites-le-moi. Bon, je ne vais pas emmener mes 520 bras de fenêtre, hein, ça c'est sûr. Je vais prendre les autres trousses. Mais je ne sais pas lesquelles. Donc, je sais pas si je prends un Disney ou un autre. Ou alors si je prends mon coloriage mystère, mais bon, j'aime ça m'emballe pas trop le coloriage mystère, donc je ne sais pas. Vous voyez, les couleurs sont super belles, hein. Hop, j'ai débordé. J'ai débordé. Bon, tout ce que j'espère, c'est que dans ma chambre, j'aurai pas une voisine chiante. Ça que une ronchon que ceux qui sont toujours en train de râler non merci, c'est pas pour moi. J'ai oublié de marquer le numéro de mon crayon. 14,95. Bon, les visites sont autorisées maintenant à l'hôpital, mais bon, comme on a dit avec Chouchou, bon, pour deux, trois jours que je vais être là, c'est pas la peine. Au prix où l'essence allait, c'est pas la peine d'user de l'essence pour si j'aurais été hospitalisée plus longtemps, bon, je dis pas, mais là. On se verra avec le téléphone. Bon, en tout cas, c'est super bien niveau pigment, rien à redire.
Allez, je vais vous mettre un peu plus vite et en musique, comme ça, ce sera mieux. Allez, à tout de suite, en musique. Thank you.
Alors voilà, j'ai terminé. Alors, ce qui est dommage, c'est que là, il n'y en a que deux sur la dernière page. Mais bon, j'ai pas pu faire autrement. Voilà. Donc, voilà la palette de couleurs. Voyez. Alors, j'espère que vous la voyez bien en entier. Alors, attendez. Voilà, je crois que comme ça. Hop. Non, arrête de descendre. Voilà, je pense que là, vous voyez en entier. Donc, voilà la palette. Bon, il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Voilà, ça y est. Donc, ils sont très bons, ils glissent bien. Il n'y a aucun problème. Je les trouve très jolis, très pastel. Donc, les deux derniers, les voici. Donc, moi, je les aime bien. Voilà, voilà, voilà. Donc, avec cette palette, on peut déjà faire des coloriages en entier avec, hein. Si on veut un colo pastel, genre des fleurs, ou si on veut un colo s'étendre, on peut se servir de cette palette entièrement pour faire un seul colo, ne pas prendre d'autres crayons. Donc, moi, je les aime bien. Voilà. Alors, côté mélange et tout, c'est pareil, je vous ferai... je vous ferai un essai sur le prochain colo pour voir ce que ça donne. Enfin, sur le prochain colo, sur le colo que j'utiliserai avec ces crayons-là. Mais je pense qu'il ne doit pas y avoir de problème parce qu'ils sont... Ils sont assez gras pour ça. Vous voyez, bon, ils ne font pas de traces, hein, de toute façon, ça se voit. Donc voilà. Bon, maintenant, en attendant, je vais les ranger dans le carton. Quand je pourrai avoir une trousse, bon, je reprendrai une trousse, mais là, ce sera une petite, de toute façon, puisque c'est 50. J'attends encore des brutefuneurs. Bon, je vous en dis pas plus. Quand je les aurai, je vous le dirai. Voilà. J'attends une autre sorte de brutefuneurs. Et après, pour l'instant, bon, on va se calmer sur les crayons. On verra après par la suite. Parce qu'il y en a d'autres que je voudrais, mais bon, je vais attendre. et puis voilà. Donc voilà, c'était ma petite présentation et mon nuancier. Donc je vous ai tout fait sur la même vidéo aujourd'hui, puisque c'était une petite boîte. Et que là, du coup, j'avais pas besoin de ranger dans la trousse. Je vous les remontre. Voilà, le premier rack. Voilà. Donc, j'ai pas eu de doublon, pas de casse, rien. Donc, tout est nickel. Tout est bien, qui finit bien. J'ai pas de problème. Donc, je vais vous faire maintenant des gros bisous et on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude et d'autres essais avec ces jolis crayons. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. À bientôt.